السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonsoir à tous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je commence aujourd'hui, ce soir. Le vendredi, la huitième leçon du cours de français niveau 3. Aujourd'hui, nous avons, Inch'Allah, une production écrite. Et nous avons à rédiger une petite scène comique à partir de la situation suivante. Alors, nous allons rédiger une petite scène de théâtre, bien sûr, parce que nous sommes en train d'étudier le genre théâtral. Donc, nana ندرس الجنس المسرحي. Alors, سنرى إن شاء الله اليوم كيف يمكننا أن نكتب مشهد ولو صغير من وضعية نستطيع أن من خلالها نكتب حوار ما بين أشخاص أو شخصيات. Bien. Alors, la situation que nous avons aujourd'hui, c'est par un après-midi du mois d'août dans une salle d'attente chez un médecin. Trois patients attendent leur tour. Ils entament une conversation, mais l'un d'eux est sourd. Imaginez le dialogue. Alors là, voilà, nous avons une situation. Dans cette situation, il y a donc des éléments à respecter et des éléments qui vont orienter notre dialogue. Alors, premièrement, c'est un après-midi. Deuxièmement, c'est le mois d'août. Vous imaginez un peu le climat, comment il est. Et bien sûr, il fait chaud et tout ça. Puis après, nous sommes dans une salle d'attente chez un médecin. Alors, les patients, il y a trois patients, c'est-à-dire trois malades, qui attendent leur tour. Et ils entament une conversation, c'est-à-dire ils commencent à bavarder en attendant leur tour. Mais l'un d'eux est sourd, c'est-à-dire l'un de ces trois personnages est sourd, ça veut dire il n'entend pas. Bien sûr, nous allons rédiger une scène comique, hein? Donc on va imaginer quel sera le dialogue entre ces trois personnages et en introduisant bien sûr des didascalies, un dialogue. Non, attention, ce n'est pas gestuel, la personne n'est pas totalement sourd-muette, hein, elle n'est pas sourd-muette, mais elle est seulement sourde. Ça veut dire qu'il n'entend pas, mais si on crie, il peut entendre. Vous connaissez les gens qui... تعرفون ان الناس مثلا اللي تكون اذنها قد ثقيله ما تسمعش مزيان يعني ما تسمعش الوغ elle commence à crier hein تبدا تصرخ وتقول ماذا تقول etc او تسمع الكلمات يعني مقلوبه يعني بمعنى اخر وي دونك voilà alors C'est la situation. إذن هذه هي الوضعية. من خلال هذه الوضعية سنحاول أن نتخيل حوار ما بين هذه الأشخاص الثلاثة ينتظرون في قاعة انتظار عند دكتور وطبيعة الحال هم مرضى يعانون من شيء ما لا ننسى أنه أبخميدي يعني بعد الظهر وفي شهر أوت يعني في شهر غشت
يعني نتصور الجو كيف هو. وعندما يبدأون الحديث طبعا لا بيرسون يعني الشخصية الثالثة لا تسمع جيدا، فنتصور كيف سيكون الحوار. الحوار سيكون عبارة عن مشهد كوميدي. لا ننسى لي ديداسكالي، il faut pas oublier les didascalies، لأن الديداسكالي هي التي سيمكن أن تقول لنا يعني كيف تتكلم الشخصية، ماذا تقول، هل ترفع صوتها، هل تقوم بحركة من الحركات إلى آخره. دونك لنبدأ. أنا أنتظر منكم أنتم تكتبون الديالوج. إذا ماذا يمكن أن يقول الشخصية الأولى؟ ماذا يمكن أن تقول؟ Oui, il y a trois personnes. On va appeler les personnes A, B, C, D. D'accord. On va appeler C et Sou. D'accord, Souma. Alors, d'accord, on est d'accord. Donc, il y a la première personne qui s'appelle A. Donc, A va parler la première. Donc, qu'est-ce qu'elle va dire? Oh, il fait très chaud. D'accord. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, elle peut dire, oh, il fait très chaud. Et en disant cela, quelle didascalie peut-on ajouter? Oh, il fait très chaud. Et les didascalies, on va les mettre entre parenthèses. Qu'est-ce qu'il peut faire comme geste? Bon, avec sa main, qu'est-ce qu'il fait avec sa main? Alors, les autres, ceux qui sont présents, essayez de participer, parce qu'il n'y a pas ce Souma tout seul, mais il y a les autres aussi. Donc, avec sa main sur le visage? Oui, alors avec sa main sur le visage, ça veut dire qu'il est en train d'essuyer la sueur. Oui. Oui. Ventailler, c'est-à-dire en s'éventaillant, en s'éventaillant. Oui. En s'éventaillant, par exemple, avec quoi il va s'éventailler? En s'éventaillant. Avec ses mains. Oui, avec ses mains ou bien avec une revue. Hein? Avec une revue. Vous savez que chez les médecins, il y a des revues ou avec un journal. Oui, c'est ça. Oui, d'accord, on va mettre avec un journal, Fedward, c'est bien. Donc avec un journal, d'accord. Voilà, donc ça, c'est la première. Le premier, donc, la première réplique. Hein, vous savez qu'on appelle ça des répliques. Alors, maintenant, c'est la deuxième personne qui va répondre. Qu'est-ce qu'elle peut dire? Oui, tu as raison. J'ai de l'eau si tu veux boire. Oui, donc ici, oui, mais alors la personne B va porter de l'eau avec elle. Oui, si vous voulez. Oui, tu as raison. D'accord. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Il fait très chaud. Donc, il peut répondre, oui, tu as raison, il fait très chaud. Si tu veux boire, j'ai de l'eau. Hein?
quel geste il va faire pour la didascalie? J'ai un peu de l'eau, oui. J'ai un peu d'eau, c'est vrai. Mais quel geste il va faire? Il va faire sortir quoi? Une petite bouteille, n'est-ce pas? En sortant. Oui, sortant une petite bouteille. D'un sac, par exemple. De l'eau, si tu veux boire. D'accord? Alors, la personne sait maintenant qu'est-ce qu'elle va dire. S'il vous plaît, non, on ne dit pas je suis soif, on dit j'ai soif. Hein? J'ai soif. D'accord. Oui. Mais ça paraît. Vous dites quoi? D'accord. Oui. Donc ici, bien sûr, la personne sait, elle veut savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous dites quoi? Bon, elle va pas dire vous dites quoi, mais elle va dire qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Mais c'est vrai, il sait que c'est de l'eau, mais il n'a pas entendu les paroles. Il n'a pas bien entendu les paroles. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que vous dites? D'accord? Qu'est-ce que vous dites? Question. Alors, pour répondre A et B, oui, bien sûr. Donc, ça, c'est la didascalie. Qu'est-ce que vous dites en mettant sa main à son oreille? Oui. En mettant sa main à l'oreille. Alors, si on dit à l'oreille, ça veut dire à son oreille. En mettant sa main à l'oreille. Alors, le personnage A, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Alors, je voudrais que les autres aussi participent. Il n'y a pas seulement que Souma et Mariam. Allez, les autres aussi. Oui, donc il fait chaud. En criant, d'accord. Il fait chaud. Et il va répéter, hein, attention. Il fait chaud, chaud. En criant. Alors, c'est qu'est-ce qu'elle va répondre? Allez-y. Non, il fait attention, j'ai oublié ici. Il fait chaud. Ou bien, soit il a entendu, soit il va comprendre quelque chose de différent. Par exemple, un mot qui ressemble à chaud.
Les choux? D'accord. Tu veux des choux? Alors, le B pour aider A, qu'est-ce qu'il va lui dire? Non, pour aider A. Donc, A a dit, il fait chaud, chaud. L'autre a dit, tu veux des choux? B va essayer de résoudre la situation. Non, il a dit qu'il fait chaud, d'accord. Oui, c'est ça. Non. Il a dit qu'il fait chaud. Chaud, il va le répéter deux fois, hein? En criant. Bien sûr. En criant. Et c'est, qu'est-ce qu'il va dire? Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Oui, peut excuser, mais il va pas reconnaître cela, attention. Parce que les gens qui sont sourds, ils veulent pas reconnaître qu'ils sont sourds. Ah oui, bien sûr. Il fait chaud. Et j'ai soif. Alors, ah, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il n'y a pas ici un climatiseur? Peut-être qu'il va demander ça. Alors, lorsqu'il dit et j'ai soif, que va lui répondre A? N'oubliez pas que nous avons une bouteille. Ah, voilà. Alors voilà, il peut lui dire, voilà de l'eau, hein, prenez la bouteille et buvez, tenez, voilà de l'eau, hein, il peut lui dire, tenez, buvez. Si vous voulez. Alors, B. Alors, B, il peut parler de climatiseur. Et il faut prendre la permission de Monsieur B. Oui. Alors, B peut parler de climatiseur. Oui, pour avoir la bouteille, d'accord.
Oui. Mais je veux de l'eau froide. D'accord. Alors, C peut répondre, mais je veux de l'eau froide ou de l'eau fraîche. Oui. Alors, B, il peut lui dire. Mais c'est froid. Tenez et buvez. Alors, c'est qu'est-ce qu'il répond? N'oubliez pas qu'il est sourd. S'il dit merci mon fils, ça y est, il n'y a pas de problème. Ouais. Non. Quoi? Oui, d'accord. C'est bien ça. C'est Yosra ou Yosra ou quoi? Alors, quoi? Yos. D'accord. Quoi? Alors, essayez d'introduire quelque chose. Alors, le B, enfin le monsieur B a dit, mais c'est froid, tenez, buvez. L'autre, qu'est-ce qu'il va comprendre? Tu me dis d'aller acheter une bouteille? Bon, alors, on va prendre la parole de Fadwa. Et donc il va comprendre qu'il doit payer dans ce cas. Quoi? Je dois payer? Quoi? Je dois payer? Alors, ah, qu'est-ce qu'il lui dit? Mais non. Oui. Mais non, c'est gratuit. Buvez alors. Buvez. Ah, il me faut un tableau. Alors, que va répondre C? Ah, d'accord. Merci. D'accord. Ah, d'accord. Merci. Alors, que va dire B? Maintenant, ils vont changer
de sujets. Alors, Saha, c'est en arabe. Oui, alors là, ils vont demander qu'est-ce qu'ils ont? Tu as quoi? Ça veut dire qu'est-ce que vous avez? De quoi souffrez-vous? Hein? Voilà, donc d'accord. Pourquoi tu as visité le médecin? C'est-à-dire pourquoi vous êtes venu? Pourquoi? De quoi souffrez-vous? Qu'est-ce que vous avez? Alors là, d'accord. De quoi souffrez-vous? Alors, il va s'adresser à qui? Il va s'adresser à celui qui n'a pas de problème, bien sûr. Il va s'adresser à A. Non, non, parce que s'il s'adresse à C, il sait très bien qu'il ne va pas l'entendre. Alors, il y aura des problèmes. Directement, il s'adresse à A. Alors, on va l'écrire dans la didascalie, s'adressant à A. Oui, il peut lui dire, j'ai mal au dos. Ok, c'est bien. Alors, A répond, j'ai mal au dos. Et bien sûr, notre monsieur C, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va entendre? Ou bien, il va dire, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai mal, etc. Alors, monsieur C, qu'est-ce qu'il va entendre? J'ai mal au dos, qu'est-ce qu'il va entendre, lui? Tu veux de l'eau? D'accord. Tu veux de l'eau? Alors A, qu'est-ce qu'il va lui dire? Non, ici ce n'est pas qu'il veut de l'eau, mais lui, il a parlé d'avoir mal au dos. C'est le monsieur C qui n'a pas compris. Il a entendu dos, il a cru que c'était de l'eau. Oui. Non, j'ai mal au dos. Au dos, voilà, c'est bien, Sia. D'accord. C'est bien. Non. J'ai mal au dos. Au dos. Et c'est qu'est-ce qu'il va dire? Souffrez avec deux F, oui. Alors, tenez, oui. Je sais que tu as soif. Soif. Et que tu veux de l'eau. Et le monsieur B, lui, il ne supporte plus, hein? Qu'est-ce qu'il va dire? Ah, mon Dieu. Oui, c'est ça, Wafa. Donc, il peut. Bon, d'accord. Oh, pitié. Oh, mon Dieu. D'accord. Oh, mon Dieu.
J'ai mal à la tête. Mon Dieu. J'ai mal à la tête. Alors, que va comprendre Monsieur C? Quoi? Que va comprendre Monsieur C? Quoi? Et il va comprendre quelque chose de travers, hein? Alors, l'autre lui dit, j'ai mal à la tête. Lui, qu'est-ce qu'il va comprendre? Quoi? Il peut comprendre, par exemple, quoi? Je suis bête? Monsieur A, lui, pour sauver la situation, il peut lui dire la tête, la tête, la tête, bien sûr, en touchant sa tête. La tête, la tête. Alors, en criant et en touchant sa tête. Comment? Où ça? Oh, attendez, attendez, je fais mieux. Ah oui, soif. D'accord. Alors, oui. Merci. C'est qui a... C'est Romessa. D'accord, Romessa, merci. Parce que là, je tape et je fais pas attention. D'accord. Alors, si vous voyez quelque chose, vous me le dites. Alors, la tête en criant et en touchant sa tête. Alors, le C, lui, est-ce qu'il va être content de ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'il va dire? Tu n'as pas de chapeau, non? Ou bien, tu viens sans chapeau. Ou bien, il va entendre. Je suis pas fou. Oui. Ou bien, il va pas aimer qu'on est en train de crier. Il va leur dire, par exemple, pourquoi vous criez? Et la surprise va leur dire quoi? Pourquoi vous criez? Je suis pas sourd. Je sais que tu as un cerveau, oui, Esra. Criez. Je ne suis pas sourd. Et on arrête ici le dialogue. Bon, alors voilà une petite scène. On ne voudrait pas qu'elle soit trop longue, hein, pour qu'elle ne devienne pas ennuyeuse.
Alors, on va la lire maintenant. Alors, oh, il fait très chaud. On s'éventaillant avec un journal. Oui, tu as raison. Sortant une petite bouteille d'un sac, j'ai de l'eau si tu veux boire. Qu'est-ce que vous dites? En mettant sa main à l'oreille. Il fait chaud, chaud, en criant. Tu veux des choux? Non, il a dit qu'il fait chaud, chaud. Ah, bien sûr, il fait chaud, j'ai soif. Tenez, buvez si vous voulez. Mais je veux de l'eau froide. Mais c'est froid, tenez, buvez. Quoi? Je dois payer? Mais non, c'est gratuit. Buvez alors. Alors là, il faut que je sépare. Ah, d'accord, merci. De quoi souffrez-vous? S'adressant à A. J'ai mal au dos. Tu veux de l'eau? Non, j'ai mal au dos. Tenez, je sais que tu as soif et que tu veux de l'eau. Oh mon Dieu, j'ai mal à la tête. Quoi? Je suis bête? La tête, en criant et en touchant à sa tête, en touchant à sa tête. Pourquoi vous criez? Je suis pas sourd. Voilà. Alors voilà notre petite scène. Maintenant, on va donc relire la scène et je voudrais donner la parole à quelqu'un pour la relire. Alors, je demande au contrôle d'ouvrir le micro pour quelqu'un. Alors, essayez de donner le micro à Farah. Ce n'est pas Antigone, Farah. Bien sûr, tu sais très bien que c'est une scène que nous avons imaginée nous-mêmes. Allez, quelqu'un. Bon, je vais essayer à ouvrir les micros. Si ça s'ouvre, donc prenez la parole. إسراء ولا طريق ولا أي مكان ياخذ لا بارول إسراء أوسي بيان جي بيان فاطمة alors c'est qui c'est Alger non. On met ça à Farah. Je donne la parole ici. Alors, acceptez, Farah. Faites accepter. Je ne sais pas. Alors, j'ouvre Souma, bien à Mariam, à Asia. Mariam. Allô? Allô, oui, c'est Mariam. Allô, oui. Mariam. Bonsoir, madame. C'est Mariam. Oui, c'est Mariam. Bonsoir. Comment vas-tu? Bonsoir. Bonsoir, Mariam. Bonsoir, comment Alors, vas-tu? tu lis, Mariam? Oh, il fait très Tu chaud. commences par lire? Oh, il fait très chaud. Oui, tu as raison. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Il fait chaud, chaud. Non, attends, attends, Mariam, Mariam. Oui, tu as raison. Sortons Oui, une madame. bouteille d'un seul. J'ai de l'eau si tu veux boire, hein. C'est pas encore terminé, hein. Continue. Ah, ok, madame. Oui. Oh, il fait très chaud. Oui, tu as raison. Oui, de l'eau si tu veux boire. Qu'est-ce que vous dites? Il fait chaud. Chaud. Tu veux de chaud? Non, elle a Des dit qu'il choux, fait des chaud. choux. Chaud. Chaud. Ah, oui, bien sûr. Il fait chaud et j'ai soif. Tenez, buvez si vous voulez. Buvez, buvez. Oui, je veux de l'eau froide. Buvez, buvez si vous voulez. Oui, je veux de l'eau froide. Oui, c'est froid. Tenez et buvez. Quoi? Je dois payer? Mais non, c'est gratuit. Buvez alors. Oh, d'accord, merci. De quoi souffrez-vous? J'ai mal au dos. Je veux de l'eau? Mais non, j'ai mal au dos. Tenez, si, j'ai soif. Oh non, oh mon Dieu, j'ai Et que mal à la tu tête. veux de l'eau? Quoi? Tenez, si Je j'ai sais que tu as soif et que tu veux de l'eau. Que tu veux de l'eau. Oh mon Dieu, j'ai mal à la tête. Quoi? Tu es bête? La tête. Pourquoi vous criez? Je ne suis pas sourde. C'est bien, Maria. C'est bien. Bien. Alors, quelqu'un d'autre, je vais ouvrir pour Souma. Je vais essayer Amr Moussa. Je vais ouvrir pour. J'aimerais bien vous donner la parole, mais quand vous voyez, il n'y a pas de. Amr Moussa. Vous n'avez pas de micro, Amr, je pense. Voilà, c'est ouvert, Amr, tu peux parler? Bonjour. Bonjour, bonsoir, bon, plutôt bonsoir. Bonsoir, Amr. Désolé, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Alors, tu lis? D'accord. Oh, il fait très chaud. Oui, tu as raison. J'ai de l'eau si tu veux boire. Qu'est-ce que vous dites? Il fait chaud, chaud. Tu veux du chaud? Non, il a dit qu'il fait chaud, chaud. Ah oui, bien sûr. Il fait chaud et j'ai soif. Tenez, buvez si vous voulez. Mais je veux de l'eau froide. Mais c'est froid. Tenez, buvez. Buvez. Quoi? Je dois payer? Buvez. Oui, buvez. Quoi? Buvez, non pas Quoi? puvez, hein. Amra. Buvez, buvez. Oui. Quoi? Je dois payer? Payer? Mais non, c'est gratuit. Pouvez alors? Ah, d'accord. Merci. Et de quoi souffrez-vous? J'ai mal au dos. Tu veux de l'eau? De l'eau? J'ai mal de l'eau. De l'eau.
Loup. Loup, d'accord. Non, ce n'est pas loup, c'est l'eau. Non, l'eau. Le. Comme si vous dites oh. Oh. Le. Oh. Pardon. L'eau. L'eau. Tu veux de l'eau? Le. Non, ne fermez pas la bouche. Faites l'eau en arrondant les lèvres. L'eau. Le. J-E, c'est O. Dites Oh. O. Oh. Répète O. Oh. Oh. L'eau. Oh. Voilà, allez, allez, trouche, voilà, l'eau. Tu veux de l'eau? L'eau. L'eau. D'accord, allez, allez. Oh. Oh, tu veux de l'eau? L'eau. L'eau. Alors, O, et ajoute L, ça devient l'eau. Le. Oui, continue. Non, j'ai mal au dos. Tenez, tenez, je sais que tu as soif et que tu veux de l'eau. Oui, ça va. Ok. Oh mon Dieu, j'ai mal à la tête. Quoi? Je suis bête. La tête, la tête. Pourquoi vous criez? Je ne suis pas sourd. C'est bien, c'est bien. Alors maintenant, on va essayer de t'ouvrir à Souma. Ah, et Soma, laisse-moi que ça se... Là, se mâcher. Allô? Allô, c'est Imad. Ah, j'ai Allô? Ah, c'est Imad. D'accord, Imad. oui, hein. Bonsoir, Imad. J'ai écrit Algérie, c'est tout. Ça va bien. Ah, ça va, alhamdoulilah. Et toi, comment vas-tu? Ça va bien. D'accord, Ahmed. Alors, tu lis, Ahmed? Oui. Oh, et puis très chaud. Oui, tu as raison. Qu'est-ce que vous dites? Il fait Non, chaud, attendez, Ali. j'ai de l'eau si tu veux boire. Tu as raison, nous avons la Moi? didascalie, sortant une bouteille d'un sac, puis j'ai de l'eau si tu veux boire. Oui, j'ai de l'eau si tu veux boire. Oui. Qu'est-ce que vous dites? Il fait chaud, chaud. Tu veux des choux? Non, il a dit qu'il fait chaud, chaud. Ah oui, bien sûr. Il fait chaud et j'ai soif. Tenez, buvez si vous voulez. Mais je veux de l'eau froide. Mais c'est froide. Tenez et buvez. Quoi? Je dis, je dois payer, Je mais non, je payer dois payer, quoi, je dois payer, mais non, c'est gratuit, buvez alors. Ah d'accord, merci. De quoi souffrez-vous? J'ai mal au dos. Tu veux de l'eau? Non, j'ai mal au dos. Tenez.
Je sais que tu as soif et que tu veux de l'eau. Oh mon Dieu, j'ai mal à la tête. Quoi? Je suis bête? La tête, la tête. Pourquoi vous criez? Je ne suis pas sourd. Merci. Voilà, merci, 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 c'est bien. Alors, voyons Assia. Alors, Souma, tu as peut-être un problème, ça ne s'ouvre pas avec toi. Voilà, Souma, c'est ouvert, hein? Alors, tu peux parler. Bonsoir, Souma. Allô? Allô, oui. Oui. Asia? Allô? Allô, oui. Allez parler. Allô? C'est Asia. Bonsoir Assia. Allez, tu peux commencer à Allô? parler. Bonsoir. Mais je vous... Bonsoir, D'accord. bonsoir, allez-y. Ah, il fait très chaud. Bonsoir. Ah, il fait très chaud. Oui, tu as raison. J'ai de l'eau si tu veux. Ça me chasse ma raison. J'ai de l'eau si tu veux boire. Je vous écoute. J'ai de l'eau si tu veux boire. Qu'est-ce que vous dites? Il fait très chaud. Il fait chaud, chaud. Tu veux du chou? Non. Il a dit qu'il fait chaud, chaud. Ah oui, bien sûr. Il fait chaud et j'ai soif. Buvez si vous voulez. Mais je veux de l'eau froide. Mais c'est froid. Tenez et buvez. Quoi, je dois payer? Mais non, c'est gratuit. Buvez alors. Ah, d'accord, merci. De quoi souffrez-vous? J'ai mal au dos. Tu veux de l'eau? Non, j'ai mal au dos. Au dos. Tenez, je sais que tu as soif et que tu veux de l'eau. Oh mon Dieu, j'ai mal à la tête. Quoi? Je suis bête? La tête, la tête. Pourquoi vous criez? Je ne suis pas sourd. C'est bien. C'est bien. C'est bien, Asia. Merci. De rien. Alors, on va essayer de donner la parole à Souma parce que je vois qu'elle est... Elle n'est pas contente. Alors, voyons. Où est-ce qu'elle est, Souma? Ça va, Souma? Allô? Voilà, je vais te donner la parole. Voilà. Allô? Allô? On n'entend rien souvent. Non, ça n'arrive pas. Alors, tu n'as pas de chance aujourd'hui, hein? Farah, alors, si tu n'as pas su comment faire, enfin, les amarres, tu seras de c'est comme ça.
Alors, voyons Tarek. Toujours pas avec Souma, pas de contact avec Souma. Voyons si Tarek peut ouvrir. Bien, Yousra. Je vais essayer de voir. Je ne sais pas si Esra peut m'aider. Je vais donner à Abdelkrim ou bien à Nora. On a quand même ouvert le micro. Les qui ouvrent le micro, donc il peut parler, hein. Nora. Bonsoir. Et Abdelkrim. Bonsoir Abdelkrim. Ça va? Ça va, merci. Et toi, ça va? Bien. Alors Abdelkrim, tu es de quel pays Abdelkrim? Maroc. Du Maroc. Bien, Abdelkrim. Alors, oui. Tu lis? Ah, il fait très chaud. On se lève avec un journal. Oui, tu as raison. On s'éventaillant. D'accord, allez-y. En s'éventaillant avec un journal. Oui, tu continues. Qu'est-ce que vous dites? En mettant sa main à l'oreille. Il faut chaud. Chaud? En criant. Tu veux dire chaud? Non, il dit que, qu'il fait chaud. Chaud? En criant. Ah! Oui, bien sûr. Il faut chaud et j'ai soif. Si vous voulez. Oui, je veux de l'eau froide. Mais c'est froid. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Quoi? Pardon? J'ai pas attendu. Est-ce que tu reprends? J'ai dit de l'eau froide. Mais je peux de l'eau froide. Oui? C'est bien? Oui, c'est bien. Merci. Mais c'est froid. Je n'ai pas vu. Quoi? Je dois payer? Mais non, c'est gratuit. Vivez alors. Ah, d'accord. Merci. De quoi sauvez-vous? S'adresser à. J'ai mal au dos. Tu veux de l'eau? Non, j'ai mal au dos. Au dos. Johnny, je sais que tu as soif et que tu veux de l'eau. Oh, mon Dieu. J'ai mal à la tête. Quoi? Je suis bête? La tête. En criant. Et en touchant à sa tête. Pourquoi vous criez? Je ne suis pas sourde. Merci. Merci, Abdelkrim. C'est bien. Bon, voyons maintenant avec Yousr ou bien Asma. حتى من الحاضرين يقرأ مرة ولا نشوفه حد ثاني يعني. شخص ولا شخصين قبل ما ننهي الدرس. سي بوسيبل إسراء سي بوسيبل. Allô, moi c'est bon, je lis. Je lis. Oui, c'est qui? C'est qui? Moi c'est Imad, c'est bon, c'est bon. Ah, tu as déjà lu Imad? Oui, j'ai déjà. Oui. Il a déjà lu, Esra. Allô? Il a déjà lu. Allô?
Allô, oui? Allô? Vous Oui? m'entendez? Oui, je vous entends. C'est C'est Wafa. qui? Wafa. C'est Bonsoir, Wafa. Wafa. Bonsoir. Bonsoir. Allez, Je Wafa, tu commence? peux dire. Oui, tu commences. Wafa, tu es d'où d'abord? Marocaine, je suis marocaine. Oui, bonsoir, Wafa. Aujourd'hui, c'est la soirée des Marocains. Oui. Allez. Vas-y, Wafa. En s'éventaillant avec un journal, oh, il fait très chaud. Oui, tu as raison. Sortons une petite bouteille d'un sac. J'ai de l'eau si tu veux boire. En mettant sa main à l'oreille, qu'est-ce que vous dites? Il fait chaud, chaud. Tu veux des chauds? Non, il a dit qu'il fait chaud, chaud. Ah oui, bien sûr, il fait chaud et j'ai soif. Tenez, tenez, buvez si vous voulez. Mais je veux de l'eau froide. Mais c'est froid. Tenez, tenez et buvez. Quoi, je dois payer? Mais non, c'est gratuit. Buvez alors. Ah, d'accord, merci. De quoi souffrez-vous? S'adressant à un. J'ai mal au dos. Tu veux de l'eau? Non, j'ai mal au dos. Au dos. Tenez, je sais que tu as soif et que tu veux de l'eau. Oh mon Dieu, j'ai mal à la tête. Quoi? Je suis bête? La tête, en criant et en touchant à sa tête. Pourquoi vous criez? Je ne suis pas sourd. C'est très bien. C'est très bien, moi. C'est Wafa, non? C'est Wafa ou non? Oui, c'est C'est Wafa. Wafa, Wafa. c'est très bien, Wafa. C'est très bien. Merci. Bravo. Oui. Bien. Alors, encore une personne. Et ça, tu peux ouvrir à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Esra, tu peux ouvrir à quelqu'un d'autre, s'il te plaît? Allô, oui? Bonsoir. Bonsoir, c'est qui? C'est Youssef? Oui, bonsoir, Oui, madame. Bonsoir tout le monde. Oui. tu peux dire. Je peux dire maintenant? Oui. Oui, tu peux dire. Il fait très chaud. Oui, tu as raison. Ça prend une petite bouteille d'un sac. Je demande si tu veux boire. Qu'est-ce que vous dites? En mettant sa main à l'oreille. Il fait chaud. Chaud? Tu veux du chaud? Non, il a dit qu'il fait chaud. Chaud, actuellement. Ah oui, bien sûr. Il fait chaud, j'espère. Oui. Du thé, si vous voulez. Mais je veux de l'eau froide. Mais c'est pour toi. Tenez, buvez. Quoi? Tu peux payer? Mais non, c'est gratuit. Buvez alors. Ah, d'accord. Merci. Dites-moi sur ce bout. J'ai mal au dos. Tu veux de l'eau? Non. J'ai mal au dos. Au dos. Tenez. Je sais que tu as soif et que tu veux de l'eau. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'ai mal à la tête. Quoi? Je suis bête? La tête! La tête! En criant, elle a touché sa tête. À sa tête. Pourquoi tu cries? Je ne suis pas sourd. Je suis. Merci. Merci, c'est bien. Bien, alors je vous remercie tous pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine fois, Inch'Allah.